c'est une zone... Ah, oui, je suis bien remonté. J'étais bien descendu tout à l'heure. Je remonte à la première zone. Mais de l'autre côté. Des pieds. C'est vrai que c'est des pieds. Le barbare qui vous fait face est certes âgé, mais loin d'être impotent. Son corps musclé et sa peau sombre lui donnent un air de statue de bronze. Ses yeux dénués d'iris sont totalement noirs. Et le reflet... Oui. Et le reflet d'un feu invisible danse sur leur surface à l'apparence métallique. Bienvenue dans le temple de Gorum. Je suis Zorek, gardien de ce tombeau. Le fait que vous êtes arrivé jusqu'ici montre que vous avez un certain potentiel. Mais êtes-vous digne de pénétrer dans le sanctuaire intérieur ? Ou bah laissez-moi vous raconter mes exploits, ils prouveront ma valeur. Peut-être. Mais de tels discours relèvent du sacré, et même titre que les plus glorieuses passes d'armes. Une fois que vous serez lancé, je vous laisserai pas vous interrompre et quitter les lieux sans un combat. Ok, sans un combat. Êtes-vous prêt ? Oh bah, let's go. Oh, je vous écoute. Mais ne vous avisez pas de souiller vos lèvres et mes oreilles avec des mensonges. Je peux lire en vous comme dans un livre ouvert. Et si la vérité ne sort pas de votre bouche, j'irai la chercher moi-même, au fond de vos entrailles. Ouais, 10, une chance sur 2. J'ai vaincu le seigneur Serre, chef d'une vaste bande de brigands, et conquis sa forteresse. C'est pas mensonge, mais c'est peut-être pas suffisant. J'avais combien ? 6, ok. De simplement dit, tous les marchands des royaumes fluviaux se sont déjà retrouvés à confronter à de pareilles nuisances, au moins une fois. Comptez-moi un vrai exploit. J'ai tué Argulka et Tartuk, respectivement roi des trolls et kobolds, et j'ai détruit leur fief. Vous avez terrassé deux rois monstrueux en même temps ? Oui. Voilà un exploit dont vous êtes fier. Avez-vous autre chose à ajouter ? J'ai tué Vordakai, ancien nécromancien et seigneur des cyclopes. Des mages, des géants et des morts-vivants. Trois des créatures les plus répugnantes au monde. Oui, voilà un exploit dont vous pouvez être fier. Avez-vous autre chose à ajouter ? Ça sert à quelque chose que je dise tout ça ? L'intimidation... 19... 15... Je règne sur les terres volées. Nul ne peut mettre ma valeur en doute. Vous voyez parfaitement que je suis digne d'entrée. Prêtre, écartez-vous. Oh, bah c'est un échec. Oh, j'ai fait un. du coup, bon bah l'intimidation s'est ratée. Savez-vous quelle est la, ce qu'est la loi du plus fort ? C'est le droit de prendre ce que vous désirez sans combattre. Et c'est le droit d'aller et venir sans avoir besoin de prouver votre valeur. Car nul ne l'ignore. Peut-être ne doute-t-on pas de votre puissance sur vos terres, mais tel n'est pas le cas ici. Si vous voulez entrer, préparez-vous, car vous devrez me prouver votre valeur au combat. Down, better ones. Down. Bien, bien, bien. J'ai un tour d'essai. Et bah, balance une boule de feu dans la gueule. Pas très efficace. Ah, il a encore... T'as encore le soin sur toi ? Miri ? Voilà. C'est un fail. Un gros fail. Visiblement elle est assez forte, on va mettre un peu de musique. Ouais, tu vas avancer un petit peu même par contre. Voilà. Mais les sœurs unitaires, il n'y en a pas beaucoup hein, quand même. C'est vraiment ce qui lui manque. Your life ebbs low. Bring it.
on a un tour de passé, donc elle va pouvoir attaquer. Il ou elle, j'en sais rien d'ailleurs. C'est tout ? Oula, non, il y a un truc qui cloche là. C'est quoi ce délire ? Beaucoup trop rapide là ? Ou je me suis peut-être un peu enflammé pour ce combat ? Un peu beaucoup ? Direction où je dois aller. Interesting. Ok, bon, je pense que je me suis un peu enflammé contre ce gardien, prêtre. Ah, le voilà qui voilà. Tombeau de l'illustre chef en peste la mort. Ces remugles ne proviennent pas de la sépulture elle-même, mais des nombreux cadavres démembrés qui jonchent le sol. L'endroit est un véritable bain de sang. Vous avez le plus grand mal à vous assurer que les dépouilles sont humaines. Il s'agit pourtant bel et bien des deux seigneurs des tigres. Ah. Les barbares n'ont suivi leur chef dans son tombeau que pour y périr de sa main. Armag se tient justement au milieu de la salle, le poing crispé sur une épée ensanglantée. Sa respiration est lourde et saccadée. Ses yeux s'agitent frénétiquement dans leurs orbites. Il a tout de la bête à traquer. De sa voix rauque, il aboie et vocifère en direction d'une femme mince drapée d'un manteau gris. Les yeux jaunes de cette dernière, qui étincellent derrière les trous de son voile, ne trahissent aucune peur. Lies. Armag's entire life, a lie. Armag is not Armag. The sword says it is Armag. The sword, it calls Armag an imposter. What now? What? What to do? Who is Armag now? Hush, my boy, calm. You really are Armag. There have been no lies. But your soul has slept in the sword for so long, it just doesn't recognize you. It will soon, though, and everything will be all right. You know you are a hero, a great chieftain, the greatest of all chieftains ever born into this world. Remember that. Hold on to it. Great deeds await you. Soon. Very soon. Stop lying! Armag is not even Armag anymore. Was never Armag in the first place. Armag is like the eight mothers now. No name, no tribe, no destiny. What's left now? What? Only revenge! Ah. To the dust. Bah, la fée, bah... elle a raté. Mais je sais pas quoi lui servait... Elle cherchait à avoir un pion qui était capable de porter l'épée et elle pouvait pas, je sais pas. On va laisser tout le monde avancer. Et il faudra que je fasse reculer mes distances. T'es où toi ? Avance, tu vas reculer un petit peu. Advance. Tu vas attendre. Espérant que. Que ça se focus bien devant. Un petit peu, tu vas mettre un peu de musique. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu charges, ok, il va attaquer direct. Hop, 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 hop. Ça, c'est pas bon, ça. Il est beaucoup trop proche des...
Alors le but c'est justement qu'il zone un petit peu. Voilà. On va dire tout ça sur Armag quoi. Unworthy. Alors va falloir réussir par contre les gars. Terminer celui-là quand même avant. Je lui fais des dégâts ou ça se passe comment? What? Je vois pas le PV du... Oh la vache! Elle va être là la difficulté. On sort le plus puissant. C'est pas grand chose. C'est à peine à lui faire des dégâts. On sort le plus puissant. Ah, je sais pas s'il va résister du coup. Ça va pas tenir longtemps tout ça. Repent. Après t'as pas de sort très puissant toi. Les cônes c'est pas très utile. Tout n'est que zone. Il l'a le sort ou... On sait rien. Je peux voir là. Niveau, on a un pot de pierre. Bon, il a pot de pierre. Je sens. Tout Amiri qui peut faire des dégâts. Oh, enfin, ok, ok. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il change aussi déjà? Wow. Il a plus touché, mais le pot de pierre a l'air d'être un peu efficace. Il n'y a rien qui a... Il peut faire sans toucher... Il peut pas toucher le loup en même temps parce que bon, il a déjà pris. You should have run. Et on va continuer sa tactique encore ce tour-là. Ah mais ça touche pas. Une fois. Tiens encore. Je sais que j'étais en appui du gros sort. Ouais bah du coup tu vas attaquer celui directement. Oh joli. They go down.
Hop, ton dernier sort de soin. Intensif, yes. En tout cas. Il résiste encore. Yes, il a fait beaucoup d'échecs. Et du coup, je pense que j'ai manqué de soin là. Je vais faire ça encore une fois. Nice. Oh là. Ok. Ah, discussion visiblement. À bout de force, le barbare tombe à genoux, maculant le sol du sang qui coule de ses plaies ouvertes. Il ne vous regarde pas. Ses yeux parcourent lentement la pièce. Il s'arrête sur les cadavres de ses frères. Debout, nous devons parler. Au prix d'éprouvants efforts, le barbare parvient à se relever. Les yeux injectés de sang vous examinent nerveusement, des pieds à la tête. Ils sont les sœurs défigurées. The eight mothers fed Armagh, raised him, taught him everything he knows. Since he was born, Armagh knew no other family and no other tribe. They told Armagh of his great past and his even greater future. And every word was a lie. Armagh was just their trained dog. He jumped when told, growled, tore their enemies to pieces. He had no idea for what or why he was fighting. One more thing. Once, Armagh heard them talk about another system, the one they all serve. When he asked, they lied, said there was no ninth sister, that Armagh had misheard them. He should have understood then that they weren't to be trusted. Those who lie once are not to be believed twice. Et pourquoi avez-vous attaqué le Brévois ? The eight mothers used to say that today's Armagh is a great chieftain, just like ancient Armagh. He would defeat anyone he wanted as soon as he could find his soul. They said all he needed to do was find the tomb. Then he could conquer Restolf, conquer all of Brévois. Just find the tomb. But did ancient Armagh need some stupid tomb? No! He just fought and won! If Armagh is really Armagh, he would be bound to win. But this Armagh is not that Armagh. He led his people into a trap. Realized too late that he won't be able to take Restov. And that's when the eighth mothers told him they had found the tomb. Armagh entered the tomb to become stronger, to save his people, to bring them glory and riches. But all he found was death. Ancient Armagh and present Armagh have that in common. We always only achieve death. Even presumed success in mortal matters is actually just one more step toward the grave. Et pourquoi vous tuez vos propres hommes? Ancient Armagh, great chieftain of the past, invincible hero, Gorham's champion. He served only Gorham. Not his people, no. Only Gorham. When he killed, it was not to feed his people, not to gain glory, not for wealth, not for power. No, it was the other way around. He fed his people to make them better killers. The blade was thirsty. It quenched its thirst on the blood of Armagh's fellow tribesmen.
Ancient Armagh was a great warrior, that much is true. But he was a bad chieftain. He would send his people to their deaths for no good reason. Armagh wasn't a hero. Armagh was a kinslayer. This ancient Armagh was a scum, if what you say is true. And some just love to venerate some dead wretch. Et du coup, pourquoi avez-vous tué la sœur? Armagh took the sword and spoke to Armagh's soul. The sword said Armagh was not Armagh, but just an impudent brat. Ancient Armagh's rage blazed like a torch in the night. All that was hidden was unveiled at once. Everything. The eight mothers raised Armagh, and since childhood they kept saying Armagh was a great man with a great destiny. Lies! Lies and more lies! Armagh is not Armagh. Armagh is just a toy for the eight witches. But no more. Armagh's life is over. But at least he dies free from all lies. Et que ferez-vous si je vous laisse vivre? Nothing. The sword is cursed. It controls the hand that wields it. If Armagh is freed, he'll kill again, just as in the past. Not for glory, not for riches, just killing for the sake of killing. This cannot be. Armagh must be buried in Armagh's tomb. Vous allez mourir en lâche. Vous n'arrêtez pas de pleurnicher, de gémir que vous n'êtes pas Armagh, que vous n'avez aucune destinée, alors que vous devriez vous en réjouir. L'Armagh d'autrefois n'avait pas plus de destinée que vous. Il s'est forgé de lui-même. Et vous pouvez en faire autant. Relevez la tête, montrez à ce fantôme décrépit que vous... qui est le plus grand, et faites-le pour vous-même. Dans le concours de sorcières et de leurs artifices. The soul, trapped in this sword. His power became his curse. But the sword's curse brought Armagh's power too. His rage burned away all lies, burned away false destiny. Armagh sees things clearly now. Armagh will create his own destiny. A living soul is stronger than any ancient dead man. The ghost in this sword can whisper whatever he likes. He will never dominate Armagh again. The one holding Armagh's life in his hands didn't take it. This cannot be forgotten. Let us fraternize, become sworn brothers. Brothers. Oh, I think I shed a tear from my left eye. It's all emotions. Such a beautiful finale of the story. I can't wait to write it down. Ok. Découvrir le sort du Seigneur des Tigres. Bon, tout le monde va pas accepter que ça se passe aussi bien, je pense. On va quand même attaquer là toute la région, donc... Resting would be nice, don't you think? Là, c'est un misclic. Ok, ici, il revient dans...
Non, laisse. Ok, et je pense que du coup, on va pouvoir se reposer dehors. Et là, entre les malus et les et la fatigue, ça va être compliqué. Ah non, quoique... Ouais, faut pas copier. Ah non, ils sont même pas fatigués, j'ai vraiment trop de choses sur moi. Ok. Ok, 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 ok. C'était où la porte d'entrée? C'était là. Bon bah. Du coup. Oui, mais il y a quelqu'un qui peut afficher l'inventaire. Oui, d'accord, effectivement. Puis... 300. Niveau 1, ça ne sert à rien. C'est bon, on va rien ramasser par contre. Hein. Il faut pas que je clique sur le bouton tout ramasser qu'on va sortir. Donc du coup c'était... Ok. Qu'est-ce-là ? Seigneur de guerre deux fois né. C'était pas parti ? De nombreux seigneurs des tigres sont massés aux abords du tombeau. Cette foule bruyante est en plein débat houleux, ce qui se traduit par des coups de poing et des armes en l'air, au clair. Certains essaient tout de même de calmer les plus belliqueux. La cohue est sensiblement plus intense autour d'Armag. La garde rapprochée du chef dissuadé lance des regards nerveux aux autres barbares, les mains ostensiblement posées sur les armes. Ah, Dougat est là, lui aussi. Il arrête de parler à votre approche et vous adresse un sourire chaleureux. Vous arrivez à point nommé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes presque sur le point d'en venir aux mains. Vous pourriez peut-être nous aider à trouver une solution avant que ça finisse en bain de sang. Et du coup, bah, que se passe-t-il ici? Vous assistez à une sorte de conseil tribal. Quant à la découverte du tombeau d'Armag, c'est ébruité, nos anciens et d'autres membres influents se sont précipités ici. Les actes de notre chef ont scindé la tribu en deux camps. Certains le considèrent comme un héros, d'autres comme un criminel. Ceux qui maudissent Armag pour avoir envoyé nos frères à une mort certaine sont incapables de se réconcilier avec ceux qui le considèrent comme un héros et un grand chef. Et du coup, même si cela vous concerne, en quoi puis-je vous aider ? Votre armée nous a forcés à battre en retraite. Oui. Vous avez vaincu notre chef en combat loyal. Plus important encore, vous avez réussi là où tous les autres avaient échoué avant vous. Non seulement vous êtes entré dans le tombeau d'Armag, mais aussi vous avez aussi été jugé digne de pénétrer dans sa chambre funéraire. Et comme si ça ne suffisait pas, les terres qui abritent le tombeau vous appartiennent. Et vous appartenons bientôt. Oui, c'est vrai, cette partie-là ne m'appartient pas encore. Tout dépend de votre décision. Ah,
Ah. Très bien. J'accepte à mon service tous les seigneurs de Tyk qui souhaitent quitter leur tribu pour vivre sur mes terres. À condition qu'ils me prêtent allégeance. Cette fois-ci, Kri et Shemeri ne reprennent pas plus belle. Après un court mais intense débat, l'un des anciens s'adresse à vous. Nous acceptons votre offre généreuse, si vous le permettez. Certains d'entre nous s'installeront ici, pour garantir la paix du tombeau d'Armag, et aussi celle de vos frontières. Il reste un point important cependant. Il prendra la tête de Seigneur des Tigres en Numérie. Cela ne vous concerne peut-être pas directement, mais ceux qui souhaitent s'installer sur vos terres auront besoin d'un chef. Quelqu'un jouissant tant du respect de la tribu que votre confiance. Si vous pensez connaître un bon candidat, parlez. Et nous vous écouterons et nous écouterons votre conseil. Ah, Dougat est sage et valeureux. Il fera un excellent chef. Le prêtre incline solennellement la tête et avance d'un pas. Seigneur Tigre, nous ne devons pas laisser ces querelles nous diviser. Nous sommes toujours frères et sœurs. Le jour où le danger nous menacera, nous combattrons unis comme les doigts d'une main. Pour le moment, toutefois, Gorum nous met à l'épreuve et nous force à emprunter des chemins différents. Ceux qui le souhaitent, rentrez en Numérie. Désignez un nouveau chef et couvrez-vous de gloire et de richesse au nom de la tribu. Les autres, nous resterons ici, près du tombeau de l'illustre ancien héros. Adieu, frères et sœurs. Les barbares acquiescent d'un air sombre et écoutent-le en écoutant le prêtre. Une fois le discours terminé, certains restent sur place, d'autres font leurs adieux et s'en vont. Dougat s'approche de vous et vous serre la main. Il ne pouvait en être autrement, baron. Je vais être franc avec vous. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais persuadé que Gorum allait nous dresser l'un contre l'autre sur le champ de bataille. Je suis heureux que ce n'a pas été le cas. Nous patrouillons dans toute la région et si des ennemis menacent vos frontières, ils auront affaire à nous. Le discours du chef s'achève. Puis vient le temps des adieux. Certains barbares se tapent dans le dos, ou échangent une dernière accolade virile, la larme à l'œil. Tandis que d'autres serrent les poings et crachent sur le sol, jurant à demi-mot. Ceux qui ont choisi de rentrer en Numérie quittent lentement vos terres. Les autres se réunissent autour de leur chef. Du coup, la quête principale, le couronnement, avance. Et ça finit, le seigneur de guerre deux fois né. Je sais pas du coup s'il est parti ou il est resté ici. Vu que je l'ai pas désigné en tant que chef. Alors, nous sommes enfin venus à bout de toutes les difficultés. Le baron devrait à présent se rendre à la capitale pour son propre couronnement. Ok. Go la capitale. Et peut-être un petit repos aussi sur la carte du monde. Parce que là...